Nos va hablar de la República Catalana, otra comunidad de afectos, sí. entre construcción identitaria y comunidad política. Muchas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias también a las organizadoras del coloquio. Lo siento, tengo la ponencia preparada en francés. Entonces, la comunicación es forte en sens de territoire, es forte sur l'Espagne, mais plus particulièrement sur la Catalogne. Et elle prend appui sur la crise politique et territoriale qui commence en 2011, je schématise, hein, et en raison d'une demande d'indépendance du gouvernement catalan. La communication vise à montrer qu'il y a un point d'inflexion dans le lexique utilisé, dans l'affirmation de cette territorialité, à partir entre, enfin, en avant et en après, le référendum illégal sur l'indépendance du 1er octobre 2017. Donc, pour schématiser et j'approfondirai, jusqu'en 2017, les dirigeants politiques catalans, pour promouvoir l'idée d'indépendance de ce territoire, font surtout référence à une nation catalane. Et puis, à partir de octobre 2017, de plus en plus, on va utiliser le terme République catalane, notamment sous l'impulsion de la société civile, des médias technologiques, des réseaux sociaux. On va voir pourquoi et que véhicule ce terme, notamment par rapport à l'État espagnol également. Donc la République catalane, elle est revendiquée à la fois comme un espace politique, territorial et symbolique par les dirigeants indépendantistes catalans. Mais elle reflète également nombre de tensions identitaires et surtout, elle reflète des aspirations sociales. C'est aussi ce que va véhiculer en plus ce terme de République, aspirations sociales autour d'un projet institutionnel commun. Donc, afin de comprendre comment le processus de construction de ce territoire institutionnel et la façon, on vient d'en parler dans la précédente communication, la façon dont s'élabore et se diffuse dans l'espace public ces représentations, l'analyse s'articule autour de trois éléments. Tout d'abord, les dispositifs communicationnels qui permettent de promouvoir des formes d'identification collective, des sentiments d'appartenance. Puis, le rôle des émotions et des valeurs mobilisées dans la transmission et la médiatisation d'un récit collectif qui est destiné à légitimer cette République. Donc, il y a aussi le débat légalité, légitimation. Et ensuite, le troisième point, la mise en œuvre d'un discours de différenciation et d'initiative publique pour se dissocier de l'Espagne, puisque la construction de cette nouvelle territorialité implique aussi une rupture affective, mais aussi institutionnelle, monarchie versus république. Donc pour cela, le corpus prend en compte les discours d'investiture des quatre derniers présidents de la Generalitat de Catalogne, du gouvernement catalan, mais il ne se centre pas que sur les discours politiques. Il intègre également les modes d'action de la société civile, donc création de collectifs citoyens, désobéissants parfois, de plateformes numériques, les mobilisations protestataires avec un répertoire d'actions disruptives, les slogans pour diffuser dans l'espace public, ce que n'arrivent parfois pas à faire les discours d'investiture, donc diffuser dans l'espace public le projet républicain et lui donner une visibilité, donc visibilité, médiatisation. Donc, il s'agira également donc d'analyser l'impact de ces pratiques sur le discours politique et les interférences entre pouvoir institutionnel et société civile à partir du concept d'empowerment, donc qui est central pour empowerment, pouvoir d'agir, empoderamiento. Je crois que dans l'après-midi il y a une communication, pouvoir d'agir de la société civile. Voilà, comment cela se transcrit dans le politique. Il y aurait une troisième partie, mais elle sera que pour l'article, parce que la Catalogne, enfin le gouvernement catalan, met aussi en place une stratégie à l'international, c'est-à-dire ce nouveau territoire, comment le diffuser à l'international, quels outils. C'est le rôle de la diplomatie identitaire qui a un rôle fondamental en Catalogne. Donc la première partie s'intitule construire une communauté politique de la nation catalane à la République catalane. Donc les rhétoriques identitaires mobilisées dans les discours nationalistes sont essentielles pour créer le sentiment d'appartenir à une même communauté. Et elles s'appuient sur des référents tels que le territoire, la langue, très importante pour la Catalogne, la culture, un passé historique, mais aussi la mise en avant de valeurs partagées. Et ces éléments constitutifs de l'identité permettent de définir et de construire la nation en tant que, et je cite Benedict Anderson, et c'est un point que nous avons vu dans la conférence inaugurale, mais pour la littérature, c'est-à-dire une communauté politique imaginaire
et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, tout simplement que les revendications identitaires s'inscrivent dans une stratégie politique. Elles peuvent être adaptées et transformées en fonction des enjeux idéologiques d'une période déterminée. En ce sens, l'étude des quatre présidents qui se sont succédés à la tête du gouvernement catalan depuis la première consultation populaire de novembre 2014 permet de comprendre les mécanismes à l'œuvre pour constituer cette communauté imaginée et fabriquée. Quels sont les ressorts affectifs, rhétoriques, également pour consolider le projet de rupture avec l'Espagne en déterminant les contours institutionnels de la nation catalane. Voilà, il s'agit d'agir sur la dynamique des appartenances collectives. Premier discours, je schématise, hein, mais cela permet de voir l'évolution de cette territorialité. Artur Mas, président en 2015, il privilégie, lui, le concept de nation et d'État indépendant pour parler de la Catalogne. Donc, je me centre sur son discours d'investiture. À aucun moment, lui, ne fait référence à la création d'une république catalane. L'argumentaire est centré autour d'une nation catalane qui est définie à partir de critères historiques et assimilée à une communauté de pensée sur la base d'un projet commun. Les ressorts de ce discours montrent, et donc c'est la question des affects, montrent que la construction de cette communauté émotionnelle est considérée comme un préalable à la création d'une communauté politique. Une communauté émotionnelle, le concept, j'utilise la définition de Damien Bocquet, elle désigne tout groupe de personnes animées par des intérêts et des objectifs communs et se définit, dit-il, comme un environnement adapté pour accueillir les approches performatives de l'émotion dans leur capacité à transformer les situations. Les émotions sont en effet une composante centrale de la rhétorique indépendantiste et un élément essentiel pour la formation de cette communauté. Cette stratégie politique, mais aussi communicationnelle, vise à impliquer la société civile dont les affects sont appréhendés comme une ressource identitaire au service de ce projet politique. Alors, les moyens expressifs employés donnent ainsi, pour reprendre les mots de Benedict Anderson, une légitimité émotionnelle au projet, qui est mis en balance avec la légalité prônée par l'État espagnol. Ils permettent également de mettre en avant, et ça c'est davantage de la tactique politique, de mettre en avant la cohésion de la société catalane et une unité autour de ce projet, malgré les dissensus au sein même des partis indépendantistes et une société catalane qui est malgré tout assez divisée sur cette question. Deuxième discours. Carles Puigdemont, donc à partir de janvier 2016. Il ne fait pas référence lui non plus à une république catalane et il y a une forme d'imprécision quant au contour institutionnel de ce nouvel État catalan indépendant. Il inscrit son mandat dans une période de post-autonomie et de pré-indépendance et il est à noter cependant que lui délaisse complètement l'expression nation catalane et il la remplace par pays. Alors, que signifie pays dans son discours, dans sa rhétorique ? La Catalogne, il l'utilise de très très nombreuses fois dans le discours. La Catalogne est assimilée à un pays comme si de nouvelles frontières avaient déjà été redessinées. La communauté émotionnelle et politique catalane prend donc, à travers l'utilisation répétée de ce mot, la forme d'un pays dans le but de promouvoir des modes d'identification étatique qui permettent, et donc là je cite Philippe Hamann, qui a travaillé sur la sociologie des espaces frontières. Et donc pour lui, ces modes d'identification étatiques sont très importants dans la mesure où ils permettent de restituer, je cite, restituer le processus de construction sociale d'un territoire comme la combinaison d'un espace, d'une profondeur historique et également de projets sociaux. Et c'est cette partie-là, projets sociaux, qui va être novatrice dans l'argumentaire des dirigeants catalans. Il s'agit de consolider un lien social en le mettant en relation avec un espace territorial déterminé, tout en soulignant le rôle, la collaboration de la société civile dans la construction de cet État indépendant. Deuxième partie. La deuxième partie s'intitule « Légitimité et visibilité du projet républicain », dont les deux mots clés, le rôle de l'engagement citoyen.
Tout d'abord, un changement d'argumentaire politique, et on le remarque dans la... premier point pour situer le contexte, c'est la préparation et l'organisation du référendum du 1er octobre 2017 qui marque un net infléchissement dans la stratégie des dirigeants politiques indépendantistes. Ils affirment le choix de l'unilatéralité, de l'autodétermination, sans accord avec l'État espagnol. Donc, c'est à ce moment-là que le projet de création d'une république indépendante acquiert une visibilité plus importante, et pas uniquement dans l'espace institutionnel, mais aussi dans l'espace public, s'approprier l'espace public. Donc, la déclaration d'indépendance offre de premiers éléments. Elle précise les éléments institutionnels destinés à la constitution d'une communauté politique à partir de dispositifs participatifs. Et il convient de noter que la citoyenneté a une dimension essentielle, donc autre mot-clé, citoyenneté, une dimension essentielle dans cette déclaration d'indépendance, tout comme la nécessité de construire des transversalités qui impliquent non seulement des acteurs politiques, mais aussi la société civile à travers les organisations culturelles et le monde de l'entreprise. Cet objectif devient le moteur de l'action gouvernementale, comme en témoignent les prochains discours d'investiture. Mais auparavant, donc, je vais travailler sur l'engagement citoyen qui est vecteur d'émotion et comment c'est cet engagement citoyen qui va amorcer ces changements dans le discours politique. Nous sommes dans un contexte où les manifestations, les marches protestataires, les actions désobéissantes se multiplient et ces choix rhétoriques et communicationnels vont donc prendre en compte les revendications et les demandes de la société civile et des collectifs citoyens qui s'organisent pour appuyer la création d'une république. La république, et donc c'est le changement par rapport aux autres termes, pays, nation catalane, la république devient un vecteur d'affirmation identitaire, mais surtout le symbole d'une culture de l'insoumission, de la désobéissance, voilà, par rapport à l'État espagnol. C'est ce que véhicule en plus ce terme, voilà, insoumission, désobéissance, destinée à contester l'autorité de l'État espagnol. Et sa capacité mobilisatrice tient tout à la fois à sa charge émotionnelle, mais aussi à l'héritage politico-culturel qu'elle véhicule. On peut penser à la Segunda Repubblica, donc avant la guerre civile. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être développés, mais dont le terme république devient omniprésent dans l'espace public et il se diffuse dans cet espace public à travers les nombreux slogans utilisés dans les manifestations et les noms que choisissent plusieurs plateformes numériques et collectifs citoyens en accord avec la cause qu'ils souhaitent défendre. Et donc, je vais citer l'un des plus emblématiques, les comités de défense de la République. Vous avez peut-être déjà entendu parler de leurs actions. Ils sont assez médiatiques, les CDR. Ce sont des collectifs citoyens désobéissants avec un ancrage local, organisés par ville ou par quartier. Tout d'abord, ils se mettent en place en 2017 et l'objectif est uniquement de surveiller les urnes et les bureaux de vote lors du référendum du 1er octobre. Mais ils continuent ensuite à se mobiliser en prenant le recours à la désobéissance civile pour soutenir le projet de création d'une République de Catalogne. Ils se revendiquent d'une légitimité citoyenne. À nouveau ce débat, légitimité, légalité, légitimité citoyenne, et ils sont à l'origine de nombreuses actions contestataires comme des marches ou des blocages qui suscite une couverture médiatique significative. Donc cette idée de légitimité d'un côté, médiatisation de l'autre. Et il propose également, et c'est un point intéressant pour travailler sur l'engagement collectif, il propose également de diversifier les modalités de l'engagement collectif en programmant des journées qui combinent par exemple des actions militantes, mais aussi des conférences et des activités ludiques. Ainsi se multiplient sur les réseaux sociaux les vidéos qui font appel à des concerts républicains, des apéritifs républicains, pour sensibiliser l'opinion publique, parce que c'est aussi un point stratégique. On a par exemple la journée intitulée « En avant Repubblica », « En avant la République », qui est donc organisée avec le soutien, et c'est toujours cette imbrication sphère institutionnelle et société civile, avec le soutien donc des partis politiques indépendantistes et des organisations culturelles.
C'est une initiative locale qui est représentative de cette stratégie. Donc, il y a des marches également solidaires prévues avec les slogans « Femme République »,« Libertad presos politiques ». Donc, c'est aussi la liberté des, revendiquer la liberté des prisonniers politiques, je cite « Construisons la République ». Il y a aussi les drapeaux, les rubans jaunes sur les bâtiments publics, dans les, voilà. Donc, tout cela, c'est appropriation de l'espace public. Il y a l'espace numérique, mais il y a aussi le moyen de s'approprier l'espace public. Et cela contribue à la construction d'un espace social militant qui participe de la visibilité et de la protestation et de la médiatisation de ces revendications. Donc, il y a aussi d'autres initiatives lancées par exemple par le monde universitaire, comme la plateforme Universitat per la République, avec un slogan très combatif, un mot d'ordre très combatif, « Vive la République, à nous de la défendre maintenant ». Donc, ce sont des espaces, ces initiatives mettent au jour des canaux de diffusion et des espaces de discussion. Voilà, ce sont des espaces de diffusion alternatifs, auto-organisés, qui permettent de débattre, mais aussi de donner une tribune à des acteurs collectifs et individuels. Et en ce sens, l'impact des technologies numériques est central pour la diffusion de ce projet de création d'une république et également pour la mobilisation de la société catalane. Donc, je vais essayer de couper. Donc, les quelques exemples que j'ai étudiés, avec notamment des mots d'ordre à valeur performative, mettent en lumière l'empowerment d'une partie de la société catalane. Il est défini comme le pouvoir d'agir des individus, mais aussi des collectifs, et il est l'une des caractéristiques de cette mobilisation. Il contribue également à ce qu'on pourrait appeler une communautarisation idéologique. Le projet d'une République catalane est très largement diffusé dans l'espace urbain et numérique, et le point tactique, stratégique, est que désormais, il n'est plus uniquement assimilé aux revendications de la gauche républicaine, mais fédère l'ensemble des indépendantistes, même si les clivages et les divisions restent nombreux. Rapidement, pour montrer que cet impact de la société civile dans le discours politique. Donc, je cite le discours de Pere Aragonès, qui, dans son discours d'investiture, lui, va justement évoquer va parler d'un nouveau gouvernement républicain qui ouvre une nouvelle étape pour le pays étant la Catalogne. Et donc, lui va lier cette étape républicaine à une série de valeurs qu'il met en avant, liberté, équité, et il fait appel donc à l'empowerment d'une société catalane émancipée. Les valeurs républicaines sont ainsi reliées à l'empowerment et à l'activisme citoyen, les deux choses, pour construire une représentation sociale d'une Catalogne indépendante. Et à travers ce discours et la ligne d'action qu'il propose pour son gouvernement, Pere Aragonès cherche à structurer les valeurs républicaines autour des enjeux de société contemporaine tels que la démocratie directe, le féminisme, la reconnaissance des droits des minorités, l'écologie sociale. Donc, la nation est une nouvelle fois imaginée, mais cette fois sous forme d'une république, pour créer une communauté de buts et de valeurs et allier une idéologie de l'intérêt national à l'action publique. Je vais m'arrêter, j'ai beaucoup coupé. Hein, mais...